Salam alaikum, aujourd'hui place à un dessert parfait pour toute occasion, le roulé à la crème. Bismillah, pour préparer le gâteau, mélangeons ensemble la farine avec la levure chimique et sel. Battre les œufs avec le sucre utilisant un robot ou batteur à main électrique. Les quantités de la recette se trouvent au lien sous la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre nouvelle recette. Battre jusqu'à ce que le mélange pâlit et devienne mousseux. Ensuite, rajoutez l'huile végétale et continuez à mélanger. Et finalement, incorporez la farine et mélangez jusqu'à homogène. Préparez-vous une plaque huilée recouverte de papier sulfurisé d'environ 30 cm par 40 cm. Versez le mélange puis étalez en une couche de même épaisseur partout, puis faites cuire au four à 180 degrés Celsius pendant environ 13 à 15 minutes. Entre-temps, saupoudrez une serviette propre avec du sucre glace. Une fois le gâteau cuit, retournez-le sur le sucre glace, puis retirez le papier sulfurisé. Ensuite, saupoudrez le gâteau de sucre glace et enroulez le gâteau du côté le plus long, puis laissez refroidir complètement. Pendant que le gâteau refroidit, faites monter la crème entière liquide en chantilly jusqu'à pic ferme. Déroulez le gâteau, puis étalez la confiture d'abricot sur toute la surface. Étalez la crème fouettée sur toute la surface. Et ensuite, enroulez le gâteau sur lui-même en utilisant la serviette pour aider. S'il y a de la crème qui dépasse, retirez-la, puis ensuite couvrez, puis réfrigérez une heure. Découpez la première tranche, puis ensuite saupoudrez de sucre glace et décorez avec des morceaux d'abricot, de la crème chantilly, puis versez un peu de caramel si désiré. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Charles.